Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Maxime Cochon. Salut, Maxime. Salut, ça va? Oui, super. Quel privilège de t'avoir avec nous. Mon privilège. Toi, hein? Privilège partagé? Oui, d'accord. On y va avec ça. Oui, excellent. Toi, Max, pourrais-tu dire que tu es un passionné de la parole de Dieu, de l'Évangile? On pourrait dire ça. Je suis d'accord avec cet énoncé. T'es d'accord? Oui. Toi, tu m'as eu bien solide. Génial. Ça me fait plaisir. Excellent. Écoute, Max, moi, je me souviens, en 1996, okay. Je faisais ma petite vie, j'avais 19 ans, puis, tu sais, ça allait bien. Moi, je m'étais fait élever dans la vie comme quoi, ben c'est le plaisir, ça sent bon pour toi, ben fais-le, tu sais, fais ton chemin, vas-y. Puis c'est exactement ce que je faisais. Puis, j'étais-tu heureux? Ben je pensais que je l'étais. J'étais même, j'aurais dit, j'étais convaincu que je l'étais. Même mon oncle, quand après je me suis converti, m'a dit, je comprends pas, t'étais heureux, pourquoi t'es allé vers Jésus? Mais la patente, c'est que j'ai pas été vers Jésus. Jésus est venu vers moi. Je ne cherchais pas. Il y a des gens qui cherchent Jésus. Moi, je ne cherchais pas Jésus. Et un jour, j'ai rencontré, il est venu sur mon chemin. Wow. Et aujourd'hui, ça serait bien qu'on puisse parler d'une histoire similaire. Pas pareil, pas en tout, mais c'est similaire. Oui. Où est-ce que Jésus rencontre une femme qu'il ne cherchait pas en tout, mais qu'il a rencontrée, et ça l'a, comme la mienne, transformé sa vie. Ça se trouve dans Jean 4. J'aimerais ça que tu puisses peut-être nous mettre un peu en contexte. C'est la femme samaritaine, histoire connue, mais probablement que c'est pas tout le monde qui la connaisse. Mets-nous en contexte un peu. T'sais, on parle souvent avec ce présupposé-là, hein, qu'il faut chercher Jésus pour le trouver, alors qu'en fait, Jésus est présent. Jésus est toujours là et il attend, en fait. C'est pas nous qui le trouve, c'est juste que lui, il attend que tu te tournes vers lui. Mm. Mais ça fait longtemps que lui t'a trouvé. Et qu'est-ce qui est bien dans la femme samaritaine, c'est qu'on parle d'un rendez-vous qui est divin. Jésus pouvait passer... Jésus s'en allait à Jérusalem, il aurait pu passer par n'importe quel chemin. En fait, à cette époque-là, tous les Juifs étaient un petit peu en guerre idéologique avec la Samarie. Donc, ils faisaient un grand détour pour... c'est 60 km de plus, genre. À pied? À pied. Puis, c'est ça. À pied, déjà, c'est long. Mais ils faisaient ce détour-là juste pour ne pas passer en Samarie. Mais le texte nous dit dans Jean 4, justement, dans cette histoire-là, que Jésus fallait... Il avait à passer par là. Donc, Jésus savait. Jésus cherchait quelqu'un en particulier. Il cherchait la femme samaritaine. La femme qui est là, qui est au puits et qui va au puits en dehors des heures normales, un peu de qu'est-ce qui est fait habituellement. Elle y va vers les heures du midi, alors qu'habituellement, les femmes y vont beaucoup plus le matin pour sauver la grande chaleur et tout ça. Mais elle se rend seule à une chaleur accablante pour aller puiser de l'eau et puis revenir ensuite au village. Et elle rencontre Jésus. Et là, Jésus va la confronter. Il va la confronter sur des choses, va la confronter sur ses croyances, sur qu'est-ce que c'est toujours fait dire à propos de Dieu, mais aussi sur ses propres péchés. Mmh. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire-là. Et j'ajoute juste un élément. Les disciples, eux autres, ont été au village pour aller chercher, pour aller faire des commissions. Alors, c'est une rencontre seule. Oui. Elle, c'est pas planifié, c'est pas son agenda, comme on a dit. Elle cherche pas, là. Non. Elle, c'est une religieuse-ish, puis elle a une vie... mettons qu'elle n'est pas clean-clean. Selon le standard de son temps, elle n'avait pas une grande réputation dans le village. C'était pas la cote. Mais ça, Jésus, lui, ça ne le dérange pas. Non. Et pour un homme, de rencontrer une femme, puis de se parler, ça non plus. C'est une samaritaine. Pas du... on fait pas ça. C'est une pécheresse. Alors, comme on va le voir un petit peu plus tard... C'est toutes des choses très peu probables. Oui. Mais ce qu'une des bonnes nouvelles là-dedans, puis on va en parler tout au long de l'émission, c'est que c'est un Jésus de bonnes nouvelles. C'est un Jésus de bonnes nouvelles. Et puis, il faut se le dire, à cette époque-là, les Juifs considéraient les Samaritains comme des impurs, en fait. Et là, en plus, si on prend tout le contexte de cette époque-là, un homme qui rencontre une femme, encore moins, comme tu l'as mentionné aussi, et là, il y a quelque chose qui se passe d'incroyable, c'est que Jésus est un Dieu qui est approchable, est un Dieu de relation, est un Dieu qui va se pencher vers toi et qui va écouter et comprendre qui tu es pour adresser au cœur directement le message qu'il a passé. Et de la façon qu'il va, verset 7... Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, hey, « Donne-moi à boire. » Oui. T'sais, comme on a dit, on fait pas ça. Jésus n'est même pas supposé d'être là. C'est ça. Il n'y a rien de probable dans cette histoire-là. Rien. Puis il dit, « Donne-moi. » Parce que lui, il sait comment aller chercher son cœur. Oui.
C'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, mm-hmm. parce que si on est à l'écoute, Jésus parle à notre cœur où est-ce qu'on est là aujourd'hui. Peu importe qui on est, peu importe où est-ce qu'on est sur la terre, notre culture, peu importe, Jésus vient parler à notre cœur. Puis ça peut être d'une façon qu'on ne s'attend pas du tout. Lui, il lui demande, donne-moi à boire. Ouais. Donne-moi à boire. Et il va utiliser le puits, en fait, bien, l'occasion d'être à côté du puits et que la femme vient chercher de l'eau pour passer un message d'une eau qui est éternelle, une eau de vie, en fait, qui est vraiment une dimension beaucoup plus spirituelle que physique de l'eau sainte qui était au fond du puits. Et là, la femme va même lui demander « Qui es-tu, toi, juif, pour me demander à boire, tu sais, à moi qui est une femme samaritaine? » Elle lui rappelle, elle dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » C'est ça, c'est pas supposé se passer de même, là. Mais en fin de compte, c'est ce qui se passe. Et Jésus était là pour ça, pour avoir cette conversation-là avec lui. Il va lui répéter « Donne-moi à boire. » Et là, la femme va lui dire « Bien, ça devrait pas être supposé, tu sais. » Mais Jésus va lui dire « Donne-moi à boire. » Et toi, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il est en train d'essayer de dire à la femme samaritaine, rends-toi compte de qui est devant toi présentement. Il va se révéler à la femme samaritaine en tant que Dieu sur terre. Et c'est fabuleux. Il dit, c'est toi qui devrais... À la femme samaritaine, c'est toi qui devrais... Il renverse la question. Fait que là, j'aime la réponse de la femme. Elle dit, t'as rien pour puiser. La femme samaritaine, elle regarde Jésus, elle fait... OK. Toi, tu me parles. On n'est pas supposé, on a parlé tantôt. Puis là, tu me demandes d'aboire, puis moi, je devrais t'en demander, mais toi, tu n'as rien pour puiser. Ouais. De quoi tu parles, Donc, Jésus? Donc, on voit la dimension qui est beaucoup plus physique que spirituelle à cet instant-là dans la pensée de la femme samaritaine. Oui, puis on va aller à la pause. Puis après la pause, on va justement regarder ça. Cet échange-là entre Jésus et la Samaritaine, pour que on va voir Jésus, lui, veut parler à son cœur, puis elle ne comprend pas. Parce qu'elle ne veut pas comprendre ou parce qu'elle est plutôt voilée par qui elle est, par sa culture, par ses péchés, par une foule de choses. Et Jésus va aller directement toucher son cœur. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Comme je dis aujourd'hui, on va en avoir plein de bonnes nouvelles. Et on espère que l'émission d'aujourd'hui, ça va être une bonne nouvelle pour vous personnellement. Et une des choses que j'aime faire à l'émission, c'est vous offrir le Nouveau Testament. Pourquoi on veut vous envoyer ça gratuitement? Bien, tout simplement, c'est parce que dans ce Nouveau Testament-là, Jésus se révèle qui est. Et il révèle aussi ce qu'il a fait et qui vous êtes. Alors, on aimerait vous le mettre entre les mains. Si vous n'en avez pas à la maison, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous appeler, nous écrire, dire « J'aimerais ça avoir le Nouveau Testament. » Le Nouveau Testament que Simon nous offre, j'aimerais ça moi aussi lire à quel point Jésus est extraordinaire et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Donc, après la pause, on va parler justement de cet échange-là de deux dimensions, celle qui est purement humaine et celle qui est éternelle, celle qui est divine. Restez avec nous. Savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Alors, on est en Samarie, sur l'heure du dîner, soleil plombant. Jésus est là, les disciples sont partis faire des commissions. Oui. Plein de choses improbables. Et là, il y a une conversation qui commence à avoir lieu entre la Samaritaine et Jésus. Une conversation à deux dimensions. Il y en a une qui va être purement... terrestre, que la Samaritaine voit, et Jésus veut la porter sur un autre territoire, il veut l'amener sur quelque chose de spirituel. Ouais. Alors, j'aimerais ça, tu peux nous parler de cette conversation-là qui est à... Le sujet de l'eau était abordé. Hein? Ouais. Là, on parle du puits. Jésus a soif, il est là, il a marché quand même longtemps, donc forcément, il y a quelque chose de logique pour elle, et elle y voit le besoin qui est physique. Mais là, elle lui a dit, tu l'as mentionné un peu plus tôt, t'as rien pour puiser. Et là, il va dire, ouais, mais c'est pas nécessairement de cette eau-là que je voulais te parler. Et là, elle va dire, bien, écoute, il y a un puits qui est ici, et c'est le puits de Jacob, de son ancêtre, de tout ça, que tout le peuple est venu boire là, les troupeaux et tout. Et t'es en train de me dire que c'est pas cette eau-là que j'ai de besoin, alors que moi, je me tape des allers-retours depuis des années. Et là, Jésus va dire, non, parce que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Je t'arrête juste un instant. Il me semble d'avoir la femme, frère. OK, je vois pas de seau, là, moi.
Oui, elle voit toujours pas de saut. Puis là, là on va avoir encore soif de... Oui, on vient ici à tous les jours. Puis toi, tu vas me donner un eau que j'aurais plus soif, mais t'as pas de saut. Et là, c'est ça. Et c'est là que le Jésus essaie de rentrer dans la dimension spirituelle des choses. Qu'est-ce que Jésus est capable d'apporter? Il apporte la vie, il apporte la vie éternelle. Et il va utiliser l'eau comme métaphore pour parler de ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'il dit, si tu prends l'eau que moi je te donne, cette eau de vie éternelle, bien, tu n'auras plus jamais soif. Le côté de ta recherche spirituelle, le côté où est-ce que tu recherches le fondement des choses, à chaque fois que tu essaies de prier Dieu ou de savoir qu'est-ce qui est plus grand que toi, en fait, qu'est-ce qui devrait régir ta vie, elle est basée sur cette eau spirituelle, cette eau de vie-là que moi seul, je peux t'apporter. Évidemment, l'explication n'est pas dans le texte, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Mais elle a fait comme, ouais, mais là, je la veux, cette eau-là. Oui. Écoute, tu es en train de me dire que j'aurais plus soif. J'aurais plus besoin de me taper sur le rat. Ah ouais, mais je la veux. Ouais, c'est exactement ce que j'aurais dit. En fait, je paraphrase le verset 15. Oui, c'est ça. Oui, et là, Jésus va dire, parfait, elle vient de comprendre le côté spirituel de ce que je veux y amener. Et là, il va lui poser une question qui va chambouler l'histoire, en fait. Il dit, parfait, tu veux cette eau-là? Super, génial, va chercher ton mari. Et sa réponse, bien, c'est, bien, je n'ai point de mari. Oui, et là, Jésus va dire, parce que Jésus... C'est pertinemment qui elle est. Jésus a cette science, cette omniscience-là de connaître tout et de connaître tous les êtres créés sur Terre et donc connaît le cœur véritable en arrière qui se cache derrière les venues en plein milieu du jour de la femme samaritaine. Il va dire, t'as raison, t'as pas de mari, t'en as eu cinq, puis l'homme avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Il lui adresse sa vie cachée, sa vie de dépravation, si on pourrait dire, parce qu'elle a eu, bon, elle a été mariée plusieurs fois et tout, et elle vit en concubinage, donc pas mariée avec un homme. Et c'est ça que Jésus veut adresser. Jésus est en train de dire, si tu veux de l'eau que je peux te donner pour la vie éternelle, fais face à tes péchés, fais face à la noirceur qu'il y a dans ton cœur. Mais ça, c'est dur. Et c'est là que ça commence. Mm-hmm. T'en veux, toi, là? Parfait. On commence avec tes péchés. Ouais. Mais ça, souvent, c'est l'étape qu'on saute. Oui. quand on parle avec Jésus, là, c'est l'étape qu'on saute. Oui, ouais, ben, ouais, je suis pécheur, mais hey, Seigneur, j'aimerais ça que tu puisses donner faire ci, j'aimerais ça que tu puisses faire ça, j'aimerais ça. Ouais. Et ça, hop, 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 hop. On va commencer avec tes péchés. Ouais. Avant que tu viennes dans ma présence, dans ma sainte présence, j'aimerais ça que tu réalises qu'on n'est pas pareil. Que moi, je suis saint, moi, je suis parfait, puis que toi, tu ne l'es pas. Elle devait comprendre qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et fait, c'est pour ça qu'il lui parle de ses péchés. C'est pour ça qu'elle lui parle qu'il directement... Il y avait des raisons pourquoi elle était là à midi quand personne n'allait là. C'est pas normal. Non. Elle avait la honte dans son village. Ouais. Elle était pécheresse. C'était pas correct. Dans ce temps-là, là, c'était vraiment pas top, ça, là. Ouais. Et souvent, quand on arrive devant Dieu, on aime penser qu'on est des bonnes personnes. Mm-hmm. J'ai déjà fait un vox pop à Saint-Roch. Ça, c'est à Québec, dans le centre-ville de Québec. Puis je demandais aux gens, êtes-vous une bonne personne? Croyez-vous? Puis mon but, c'était pas de pas avoir de grandes conversations. Je voulais juste savoir qu'est-ce que le monde pensait. Je te dirais, Maxime, la grande majorité des gens sont convaincus que devant Dieu, ce sont des bonnes personnes. Ben oui. Ils ont l'impression que Dieu voit pas la même chose qu'eux dans leur vie. Ben, on a toujours quand même une bonne image de nous-mêmes, là. Dans le sens, personne ne va répondre, ouais, moi, je suis une mauvaise personne, s'il vous plaît, châtiez-moi. Mais quand même, si on gratte, si on va plus loin que ça, on voit qu'en fin de compte, il y a des lacunes. Et même que notre bonté ne reflète pas toujours ce que ça devrait être. On est souvent bon en étant égoïste, en fait. On est souvent bon, on va faire des bonnes actions pour nous valoriser, pour trouver des choses. Il y a quelque chose au fondement de nous qui nous dit, on n'est peut-être pas des si bonnes personnes, mais de s'en rendre compte, c'est difficile. Ben oui, même notre conscience est abusée des fois. Même on l'abuse, puis on fait que... Même selon nos standards de perfection, là, ou nos standards de ce qu'on devrait être, on n'est pas parfait. Si on s'assoit seul, puis on s'examine notre cœur, on se dit, ouais, non, est-ce que moi, je me trouve parfait selon mes standards? Mm-hmm. Si on est franc, personne dit oui. Fait que peux-tu t'imaginer quand un être parfait te dit... Selon mes standards, t'es clairement pas parfait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un énoncé dans Romains chapitre 3 qui est vraiment frappant. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Tous les êtres humains. Clairement, à nos yeux, il y en a des pires puis des meilleurs. Là. C'est sûr et certain. Ouais. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes coupables. Nous sommes tous coupables d'avoir transgressé ses lois. Ouais. C'est un sérieux problème.
c'est problématique. Et c'est là que Jésus l'amène. Ça, c'est la case départ. Oui. Lui, il rencontre la femme et il lui annonce une mauvaise nouvelle. Je connais tes péchés. Oui. Et ça, mes chers amis, c'est une très mauvaise nouvelle. Si parfois vous sentez du regret, vous sentez de la honte, ça, c'est parce que votre conscience vous dit, t'es pas assez bon. Tu t'es planté, tu l'as échappé. Peut-être pas beaucoup, mais tu t'es planté. Imaginez quand le Dieu parfait nous donne des lois, nous donne des choses à faire. À penser, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur en tout temps, de l'aimer de toute notre être, du lever au coucher, de la première journée à la dernière journée, que tout ce qu'on fait soit pour sa gloire. Ouais, je vais être franc avec vous. Non, je suis coupable. Et je suis coupable de tellement de choses. Imaginez comment lui nous voit quand il connaît tout ce qui se passe dans nos cœurs, pas juste ce qui sort de notre bouche, pas juste nos actions. Ici, c'est ça. C'est là la case départ de notre rencontre. Réaliser que Dieu sait tout à propos de nous. Mais il y a une excellente nouvelle. Et on va la voir parce que Jésus est allé là pas pour la condamner, pas pour lui dire « Hey, t'es mauvaise ». Non, 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 non. Il voulait lui donner, il veut lui donner, et il veut vous donner, me donner, hey, à moi et vous, cette eau-là qui nous amène jusque dans la vie éternelle. Alors, après la pause, on va continuer de déballer cet évangile, cette bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous rencontrer, vous et moi. Vous, c'est aujourd'hui. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, Jésus rencontre la femme samaritaine. Oui. La femme samaritaine, elle dit « Ah, cool, j'aurais plus besoin de boire, puis tout ça, donne-moi-en de ton eau. » Jésus fait comme « Hop, 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 hop. » Il l'amène directement droit au cœur, puis il dit « Je connais tes péchés. Je sais où ce que t'es. » Mais il ne fait pas la laisser à cette place-là où elle devait se sentir coincée au maximum. T'imagines, tu rencontres quelqu'un qui connaît tout ce que tu as toujours pensé. Moi, ça... Y a-t-il une porte de sortie à quelque part? Je serais stressé un peu. Surtout si c'est lui le juge. Oui. Puis c'est lui qui va amener la condamnation. Ça, mais Jésus, il veut lui donner une bonne nouvelle. Puis je te laisse nous expliquer que dans ce texte-là, dans Jean 4, cette bonne nouvelle. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Juste de savoir que Dieu sait tout déjà devrait nous donner une espèce d'exercice de conscience. De dire, je peux pas me cacher. C'est impossible. Peu importe ce que je pourrais mettre en façade, ou le mur, ou la porte que je pourrais fermer devant moi, je peux pas me cacher devant Dieu. Et on peut tous se dire, comme on disait un peu tantôt, là, qu'on est des bonnes personnes. Et là, moi, vers midi aujourd'hui, je vais me dire, j'ai donné un café à ma femme, j'ai ouvert la porte à quelqu'un tantôt. Je suis vraiment une bonne personne. Hey, t'as pas fait ça. Hey, t'es vraiment une bonne personne, je Maxime. C'est impressionnant aussi. mais en bout de ligne, là, le soir, là, quand je me couche, puis j'essaie de faire un bilan de ma journée. Ouais. Je me suis choqué après mes enfants aujourd'hui. T'sais, j'ai pas été super respectueux en cette personne-là qui voulait peut-être juste me dire un conseil ou quelque chose comme ça. Et le gars qui t'a coupé en auto, là. Ben c'est ça. C'est impossible d'être une bonne personne à 100%, de un. Et de deux, la chose qui est possible là-dedans, c'est de pouvoir essayer de s'en rendre compte, du moins. Et il y a dans cette histoire-là et dans notre vie aussi, on devrait assimiler trois étapes qu'on voit dans le texte. On voit en fait, un... Jésus a prêché le message. Il y a eu la réception du message, du verset 9 à 15. Ouais. Ensuite de ça, on a la prise de conscience et la confession de ses péchés, de voir, c'est vrai, Jésus, t'as raison. T'as touché mon cœur, t'as ouvert mon cœur, en fait, puis t'as vu la partie de moi que je cachais. Ça, c'est 16 à 19. Et ensuite de ça, c'est de reconnaître Jésus comme son sauveur. Ça, c'est les trois étapes qu'on peut retenir de l'histoire de la femme samaritaine, et entre autres. On voit là... Oh, oui, il y a plusieurs... on le voit là... Et on le voit dans plein d'histoires. Il y a plein de gens qui entendent. Plein. Il y a des milliers de gens qui ont entendu Jésus prêcher, mais qui sont partis. Oui. Puis il y en a même des fois, Jésus s'adressait au cœur, puis le monde partait. À un moment donné, il a même regardé ses apôtres, mais il dit, bien, vous autres, vous partez pas. Et Pierre a répondu,
À qui irions-nous? C'est toi que les paroles de la vie éternelle. Pierre avait compris c'était qui parlait et que c'était rassurant de savoir que Jésus connaissait son cœur. Alors, parle-nous de l'aspect repentance, de l'aspect confession. Quand tu réalises c'est qui te voit, c'est qui te rencontre, et que tu réalises, tu fais comme, oh, je suis vraiment pas à la hauteur, moi, là. Il y a quelque chose de très, très simple, mais à la fois qu'on trouve tellement compliqué, et c'est de se faire adresser directement au cœur. Se faire dire nos quatre vérités, comme on dit un peu, là, c'est difficile. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui sait exactement ce que tu as fait, de bon et de mauvais dans ta vie, c'est encore plus difficile d'y faire face. Parce qu'il a raison. On se trouve devant le fait accompli, en fait. Et ça, c'est difficile à assumer, mais aussi d'en prendre conscience et de le dire par la suite. Donc, la repentance, c'est vraiment cette action-là de dire, « Ouais, c'est vrai, j'étais un homme colérique. Il faut que je me repente de ça. Il faut que je m'excuse. Il faut que je demande pardon de ça. Il faut que je m'approche devant Dieu et dire, « Je suis vraiment désolé. » C'est une attitude qui est plus forte que moi, que je n'arrive pas à contrôler. Et justement, parce que par moi-même, je ne suis pas capable de le contrôler, je veux la remettre entre tes mains, Seigneur. Pourquoi? Parce que toi, tu es un Dieu qui est souverain. Tu peux régler ce problème-là dans ma vie. Et là, parlons-en de régler ce problème-là. Régler le problème du péché. Tu as parlé de colère. Oui, j'aurais pu dire n'importe quoi. L'inquiétude, le jugement, la crise. Tous les péchés. Alors, quand on réalise que je suis de même, lui, il voit, « Oh, c'est lui. Oh! » Là, on reste pas avec. On dit, « Seigneur, je me repens, je m'en viens te les porter. Je veux pas les porter devant toi. » Mais lui, il a fait quelque chose pour que... Tu sais, le Dieu, là, c'est pas un juge bonasse. « Ah, regarde, tu manges. Je vais m'arranger avec lui quand je vais arriver. Regarde, c'est mon chumé. T'as peu. Ça, c'est le juste juge. Et c'est contre lui qu'on pêche. Il est pas bonasse. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour que moi, je puisse me présenter à lui avec mes péchés, puis que lui, il me laisse rentrer. Comment il fait pour me pardonner? C'est difficile à comprendre, ce bout-là. C'est difficile de comprendre qu'il y a quelqu'un qui peut t'aimer au point de te pardonner des fautes qui sont inexcusables. Et il ne faut pas se leurrer, là. Le péché, ce que ça prend pour délier le péché, la conséquence du péché, la punition du péché, c'est la mort. Et ça, c'est grave. Et c'est quand on réalise que c'est la mort qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui vienne régler le problème. Et Jésus a passé par cette mort-là. C'est une vie parfaite par le fait qu'il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas insulté les gens. Il n'a pas vécu cette vie de péché que nous, on a. Alors, lui, étant le seul blanc comme neige, si on pourrait dire, pur, a donné sa vie, a donné la conséquence du péché, la mort. Et c'est ça qui nous sauve. C'est lui qui vient nous chercher. Alors, toi, t'es tout sale. Oui. Tu mérites la mort. Moi, je suis tout propre. Je mérite la vie. En fait, je la mérite pas. Oui, je la mérite. Je décide de prendre ta saleté sur moi. Je vais subir ta mort. Mais du même coup, je vais donner ma pureté. Donc, je vais prendre ton injustice, puis je vais donner ma justice. Oui. Alors, devant le juge, je vais devenir coupable. Et devant le juge, tu deviens acquitté. Elle est là, l'eau de vie éternelle. Y a-t-il une meilleure nouvelle que ça? Jésus fait un échange avec nous. Sur la croix, c'est mes péchés et les vôtres qui portaient. Notre condamnation. Alors, devant le juge, il est devenu coupable pour que nous puissions devenir non coupables, acquittés. N'est-ce pas un Dieu extraordinaire? Et cette femme-là a rencontré Jésus. Jésus est allé au puits pour lui permettre de goûter à ça. Après la pause, on va juste continuer un peu plus. Mais avant d'y aller, j'aimerais ça que vous suggériez un livre. Quand il n'existe pas de réponse simple, quand on souffre, quand ça fait mal, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est quoi la solution? Et ça fait partie de ce qu'on est en train de dire. Donc, je vous invite à aller chez Publications chrétiennes et d'aller sur leur site Internet et d'aller acheter ce livre-là. Je vous garantis, ça va faire un grand bien à votre âme parce que c'est basé sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Après la pause, on continue. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Maxime, quand t'entends Jésus, quand Jésus te vient te rencontrer, puis t'entends, comme on a vu, une mauvaise nouvelle, qui on est, la bonne nouvelle, c'est qui le voit, puis nous dit, attends un petit peu, je suis mort pour toi. Ouais. J'ai ressuscité. Puis quand tu crois que c'est tous tes péchés qu'il a portés, puis quand tu crois qu'il veut te donner la vie, il veut te pardonner tes péchés, puis là, tu dis, Seigneur, sauve-moi. Quand tu fais ça, là, il se passe de quoi après, là? Il se passe de quoi? Puis on voit qu'il y a une réjouissance hein, qui se fait dans le texte, là, au verset 28. « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » On voit qu'il y a une joie qui bouillonne en elle. Et il y a quelque chose qui se transforme radicalement en elle au point de dire, « Je ne peux plus garder ça pour moi. » Il y a quelque chose qui est en train de se transformer et je dois absolument le parler aux autres. Je dois proclamer ce message-là. Et c'est notre expérience. Oui. Les deux, le Seigneur nous a rencontrés. Les deux, on a vu nos péchés et à qui, contre qui qu'on péchait. Et la bonne nouvelle, on a fait cette confiance-là. Et aujourd'hui, si on est ici, c'est pas parce qu'on est meilleur que tout le monde. On a envie de dire au monde entier, « Hey, oui. Jésus vaut la peine parce qu'il transforme nos vies. » Mes chers amis, avant que Jésus, que son ministère commence, il y avait un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste était convaincu par Dieu qu'il était un pécheur, puis que le monde, son peuple était pécheur. Alors, il a commencé à baptiser les gens, puis le monde se repentait parce qu'il voyait contre qui péchait. Et à un certain moment donné, il voit Jésus arriver. Puis il pointe Jésus, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà! Si vous entendez aujourd'hui ce qu'on est en train de vous dire, ce que la parole de Dieu dit, c'est que vous êtes des pécheurs, vous tous qui nous écoutez, nous aussi, on est des pécheurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort sur la croix. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui l'envoie pour ôter nos péchés. La croix, c'était pas pour partir une religion. C'était pour vous et pour moi. Et il vous offre sa justice, sa perfection, la vie. Oh, je vous en supplie, tournez-vous vers lui. Et dit, sauve-moi, je reconnais que tu es la seule façon où je peux être réconcilié avec Dieu. Oh, soyez réconcilié avec Dieu. Merci beaucoup, mon cher Maxime. Merci. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.